Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Fidèles au sang, ces hommes noirs, Taïmada, Mesdames et messieurs, bienvenue, Critique Info, premier numéro. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, Impact News, le gouverneur Crispin Ngoundou installé roi de la Mongala. La Mongala, une république dans une république, au nom et pour le compte de Jeannine Mabunda. Forum des As, fausse alerte, publication du résultat de l'autopsie sur le corps du juge Yan Yi. La RDC, Vital Kamerhe, saisit la Cour constitutionnelle, requête en inconstitutionnalité de la procédure en cours. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voilà un peu la problématique, disons, les informations. Il y a Tongo et Alelo. Mais aujourd'hui, Tonito Betali Solo, il y a Ozo le Kanambo Kanabis. Comprendre le danger, autre courir dans le Lobo. Il y a bruit. Il y a une constitutionnalité, il y a ordonnance à président désignant un premier ministre qu'il faut pas révoquer, il faut pas révoquer le gouvernement, président signé à Kendeko, nommé informateur, va refaire tout ça majorité parlementaire. Bref, ça ne peut pas étonner les avertis. Bato baza ba averti et go étonné bangote. Mais le problème est à quel niveau? Parce qu'il faut le dire, place problème Ezali. Il faut le dire. Il faut dire qu'aujourd'hui, le FCC et l'UDPS, Baza sont ensemble. Toloba qui yango depuis le début. C'était un mariage contre nature. Au moment où nous vous parlons, il y a des réunions qui se multiplient de l'autre côté. Bako multiplier ka ba réunion na bango, bako multiplier ka ba entente na bango pour que ba évaluer. Est-ce que bato na bango ba sala musala ou ba tinda ki bango ba sala? Nous sommes dans un pouvoir qu'on appelle un pouvoir concerté. Et le pouvoir concerté, jamais Bota Makambo Malonga, pour la plupart des cas. Et un pouvoir concerté, et Bota Makambo Malonga, ce qui est effectivement résultant, il y a peuple. Ce qui est effectivement émanation, il y a peuple. Mais on est en face d'un régime, d'un pouvoir, d'une administration, d'un système qui n'a pas l'adhésion du peuple. Et je ne parle pas que de du côté électoral. Parce que, comme je l'ai toujours dit, la question électorale au Congo ne résout pas le problème. Le problème dans le cannabis est la confiscation du pouvoir et pas un bâtiment quelconque. Un groupe d'individus, bandima qui garde le pouvoir pendant très longtemps. Et dans le mécanisme qui est non démocratique. Bah, il y a comme un niveau qui a le pouvoir et vous allez pouvoir me concerter. Bato ba outil na élection, babi ba voix na bango babi ba gagner la tête. Parce qu'aujourd'hui, comme on peut le dire, Togo le banenga tolingi, mais Félix Tshisekedi a dit qu'il n'a jamais comme ça bato na qui est élu na modèle tel bureau exacté. Bato pour muto pas perdre qui ba élection, a qui jamais koloba que nga na perdre qui ba élection place telle, place telle, place telle, place telle. En réalité, on a été invité dans une fête au Tozaki ba Tozaki ba participant, mais pas ba partenaire. Donc les dégâts au Salema qui tout le monde était impliqué na ba na aujourd'hui, le refuser de voir ça comme ça, c'est de la naïveté ou de la mauvaise foi tout simplement. Ou alors, et d'ailleurs que bon, je refuse de réfléchir na sukiwana. Mais est-ce que les choses devraient s'arrêter là? Non. Makambuko sukawanate. Le problème est là que comme on a été totaki na élection, et dans l'élection bien, et dans l'élection mabé, le but était on avait un seul but. Il faut que muto na laki okamamboka alongwa. Effectivement, muto na okamamboka alongwe, mais le système na okamamboka elongwe était. Le système de Kamamboka est longoté. Et longoté pourquoi? Parce que Moto Alinga qui a longo na pouvoir à Tchaki Maele Nae pour le vendre, pour enraciner le pouvoir. Et enraciner Kiango. Terriblement. Au point que Bato Baye Siko va obligé de discuter na Bato Bakutaki. Mais attention, tout dépend de la manière dont vous négociez votre pouvoir. Vous négociez en étant faible ou vous négociez en étant fort. Tous les livres, au-delà de sa pouvoir, tous les livres, les grands esprits, au bas, l'oba, la théorie, et bah, pouvoir, bah, théorie, et bah, renversement, il y a pouvoir, bah, théorie, et bah, il y a macambounios, au évali, au la potence, qu'on dit à pouvoir, converge sur une chose, c'est que peu importe la manière dont tu arrives au pouvoir, si tu veux changer les choses, tu changes les choses. Et ce qu'on t'a dit, livre, il y a le prince, il y a Machiavel, oh, j'ai oublié de l'amener aujourd'hui, livre à l'œil à prince, Machiavel a dit que le problème, ce n'est pas la manière dont on commune à pouvoir. Machiavel dit le problème, c'est la manière dont l'ingiobi mana pouvoir. Machiavel donne des conseils au prince. Alors, il dit à prince à l'obi, attends, il y a ma promesse tenue, non tenue.
au Machiavel à Zoloba. Machiavel à Zoloba, la prince à l'obi, n'engo yeboué. Papa na yo, yo kouti papa na ona, ou kouta ki papa na ona pouvoir. Le gon kouti papa na ona pouvoir, ou lingyo kende na logique, ya papa na yo, loukana nou mouye o maté, bato badala ki na papa na yo, pour que yo créé génération na yo moko. C'est Machiavel qui conseille au prince. Et ce qui vous allez bien, vous appliquez conseil, on a convenablement, il y avait Mobutu, et puis il y avait Joseph Kabila Kabange. Quand ils arrivent au pouvoir, ils ont trouvé, pour Mobutu, il n'a pas trouvé son père, mais Mobutu avait trouvé une sorte de père. Son père était un peu comme Lumumba, qui était son mentor, le premier mentor. Moi, je le dis toujours et je continuerai à le dire. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse parler convenablement de Mobutu, de Lumumba, si ce n'est Mobutu. Parce que Moutando corrigeait ma lettre à Lumumba, c'est Mobutu. Moutando commandait ma lettre à Lumumba, c'est Mobutu. Celui qui était la porte d'entrée était qui Mobutu. Donc, il connaissait convenablement mieux le système. Il y a réflexion, il y a Lumumba. Avec Laurent Désiré Kabila, c'est la même chose. Joseph Kabila, quand il arrive au pouvoir, il s'est créé une nouvelle génération, sa propre génération, a créé un goût. Bato et Belo, au moment où il est là, il a le pouvoir, il a le bras séculier. Bada Bato, Yemoko, l'ancien président Kabila, Anoma, Yemoko a fabriqué. Au point que Bato, on a Baloubaka, Bango Moko. Que si nous devons notre vie, nous le devons à M. Kabila. Baza et Bélé, na niveau et armée, il en a créé. Na niveau et administration, il en a créé. Na niveau et politique, il en a créé. Ça veut dire qu'il a créé une génération en 18 ans. Oh, le Baza redevable, naïe. Bato, on a atopé si Bango Nyon Solingi, ils vont devoir respect. Et vous avez suivi sa femme. Madame Olive Lembe, pour qui j'ai beaucoup de respect, à l'Obinini, qui n'a pas mangé dans l'assiette de Joseph Kabila. Attention, c'est très grave. Quand une femme d'un ancien président dit ça, et puis l'Obinini, j'assume mes propos. Ndeko, depuis l'Obinini, ça fait combien d'heures? Olo qui démentit? Qui vous avez entendu à l'Obinini, Libanda, l'Obade, n'a aliakate, qui? Personne ne peut ouvrir son clapet et dire non, Madame Akosi, Madame Olive n'a pas menti. Madame Olive n'a pas menti, Madame Olive les a vus venir. Amona Bango, Nenge Bazoya, Nenge Bazo Komawa. Donc, elle a totalement raison. Mes frères, Kabila, on peut dire tout ce que l'on veut. Mais au fil du temps, il a démontré qu'il était un fin politicien. Nakatia Batoyo, il y a distraction pour Ganga Akak. Comme pour dire, ceux qui parlent beaucoup avec des longs discours n'ont pas des actions. Et Dalai Lama dit ça convenablement. J'ai arrêté de regarder en ce que les gens disent, mais dans ce qu'ils font. Ici, vous avez un monsieur comme M. Kabila, par exemple, il ne parle pas. Vous risquez de faire 2 ans, 3 ans sans boka à lobby. Mais quand il agit de la manière la plus forte, la plus précise. Au point que sur 10 coups, il ne peut vous rater peut-être que la coup boko. Mais les 9 coups, vous êtes parti. C'est pourquoi, parce que yé, tonaye, avozoyango, la concentration. Absorption. Il absorbe la pression. Et l'une des forces de ceux qui ont rencontré Joseph Kabila Kabange, ce qui est livre à bateau, livre à diplomate, et ainsi de suite. Ou même, je vous envoie à lire l'objectif 2006. Non, objectif 2020. Bref, il arrive que Clinton a écrit un livre, je crois, Objectif Maison Blanche, sur la mycocité. Hein. Après ça, qui est un émo, quoi, quelconque. Et quelques extraits de ce livre. Elle raconte, elle fait le témoignage, il y a Nenge, il y a Mouna Kabila, Nenge Yoka, Makambo Kabila, comment elle a compris Makambo Kabila. Et entendez ce qu'elle décrit. Ce que tu as dit, livre, critiquer Kabila, non. Tanga, par contre, le non-dit, elle a rencontré un homme posé, calme, serein, qui ne vous contredit pas quand vous parlez, et qui ne dit que 2-3 mots après. Et puis, ça s'arrête là. Ce qui fait que Bato Bataki Koya Romuna Kabila Nanda Kunaye, Bakolo Babalobi, Balobi, 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 Babimi avec le sentiment d'avoir tout dit, parce que les Congolais ça aime parler, Bobimi Nanda Kunaye, Loko Bolobi, Bobimi Lobela Pierre, Tolobi Penza, Ayoki Biso Penza. Mais votre solution est Bokozo Angote. Il ne peut pas accéder à votre demande. Mais vous allez partir satisfait. Vous partez satisfait parce que vous avez déversé, ou vous êtes défoulé, et il vous a entendu sans vous contredire. Bato va rencontrer, la personne vous respecte comme pas possible. Il vous respecte, il vous met à l'aise, au lobby au goloba. Mais ce qui est vrai, c'est que l'ultime conviction naïe, et le lobby l'okumsus, il va faire exactement ce que lui pense faire, parce que vous voulez faire. Et c'est comme ça qu'on fait les choses pour faire avancer Makam. Et Joseph Kabila le savait. Mouta a sali politique, il a anticipé. Le gars Joseph Kabila, pendant 18 ans, au Yazate, il pouvait mater Makambu Nyonso d'Aki Kolekavaye. Quand on a dit que l'opposition a télémi, l'opposition a galobabou, il trouvait une occasion
pour frapper, mais très fort. Sera frappé, voilà, ça veut dire quoi? Il va déboucher. Et quand il va déboucher, vous êtes éparpillé. Imaginez-vous, Moutazui, un monsieur de l'UDPS. Figurez-vous, souvenez-vous un peu. Il prend deux messieurs de l'UDPS dans l'espace de 3 ans. Il rafle la mise. C'est-à-dire, il frappe au cœur de l'affaire. Et du coup, il vous divise. Entre nous. Il fait exactement. Il va là où. Bon, imaginez tes bogos. Alors, ça, ça ne demande pas forcément avoir des diplômes. Non, ça demande une capacité naturelle de quelqu'un d'abord d'analyser, d'apprécier et surtout d'écouter. Monsieur Joseph Kabila s'est fait entourer de personnes au bada affûté. Batoana bada pena préparé, outillé. Non pas dans la gestion de la République, mais dans la conservation de pouvoir. Et leur théorie a marché. Mes frères, c'est difficile aujourd'hui que vous le vouliez ou pas. Olinga Kabila ou pas, il est devenu un cas d'école. Un cas d'école pour toute l'Afrique. Ça va énerver beaucoup de personnes, mais rassurez-vous, c'est un cas d'école pour toute l'Afrique. Aujourd'hui, tous les pouvoirs africains n'auront plus peur d'avoir des opposants. Ils n'auront plus peur. Parce que donc, on peut tripatuer toutes les élections, on peut aller comme ça, on organise les élections, on laisse la place à la présidence et nous organisons une majorité parlementaire. N'importe quel président dans ces conditions-là, n'importe quel candidat dans ces conditions-là va accepter. Il prendra le pouvoir et nous allons prendre la majorité parlementaire. Et ça va être le pouvoir concerté en Afrique. Nous risquons d'aller dans cette situation-là et ça va être très compliqué. Donc les élections qui vont se passer dans Cameroun, moi ça ne m'étonne plus en tout cas. Les élections qui vont se passer au Burundi, ça ne m'étonne pas. Les élections qui vont se passer au Rwanda, les élections qui vont se passer en Ouganda, vous allez voir, après un moment donné, à partir de 2020, 2021, 2022, les grands dictateurs vont céder librement, calmement, parce qu'ils auraient appris qu'au Congo, voici ce qu'on a fait, on peut faire la même chose aussi. Et ils vont dire que c'est pour sauvegarder la paix, c'est pour sauvegarder l'unité. Bah voilà, théorie, voilà. Parce qu'eux réfléchissent un peu là où vous dormez. Or, 15 mois après, qu'est-ce que Fachi fait aujourd'hui, dans 15 mois? Il ne fait que récolter des morts et des morts et des morts. D'abord, au niveau de la sécurité, quand je disais ici que Fachi a raté plusieurs fois l'assassinat, maintenant vous avez entendu presque toutes les prophéties, vraies ou fausses, sont en train de dire la même chose. Moi je le disais, ça fait 3 mois, 4 mois dans le passé. Je suis en train de le dire. Parce que c'est très clair de comprendre. On ne peut pas pensez qu'on changeait Makambo, tout doit continuer le modèle. Jusqu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, rassurez-vous, Fachi n'est pas toujours sécurisé. Excusez-moi de vous le dire, ça va être peut-être fort, mais il n'est toujours pas sécurisé. Quand on n'est pas sécurisé, ce n'est pas qu'on est dans une insécurité. Non, il peut peut-être y avoir, il n'y a peut-être pas d'appréciation du mal. Mais au moment où nous vous parlons, Fachi n'est toujours pas sécurisé. La sécurité dont je parle, elle n'est pas forcément la sécurité physique. C'est la sécurité de son pouvoir. Le pouvoir de Fachi est terriblement fragile. Terriblement fragile parce que lui-même ne veut pas. Ou il ne veut pas, ou il a une carte qu'il joue. Bon, s'il a une carte qu'il joue, on attend la carte. Mais il a fait Gibino l'autre fois que, attention, Paul Rappé n'a joker. Attention, Paul Rappé n'a joker. Le problème, ce n'est pas d'avoir des grandes armes. Le problème, c'est d'avoir des idées fortes. Des idées fortes et des stratégies fortes. L'handicap, le premier handicap des Fachi, c'est son côté stratégie. C'est ça le premier handicap. Or, pendant 15 mois, les choses allaient, n'est-ce pas, se donner une autre vision. Et donc, on me dit, bien, il y a. Moi, je suis très convaincu que, bon, on ne va pas dire que Fachi, il fallait que ton gabilo côté. Le problème ici, ce n'est même pas de construire. Le mandat au Fachi Sanango devrait s'arrêter même à niveau de justice. Le mandat devrait s'arrêter même à voler caca à justice. Parce que c'est ce dont on a vraiment besoin. Nous avons besoin d'une justice qui soit forte. Une justice qui finalement recadre et redresse les choses. Mais jusque-là, symptôme Nango. Tout le monde aura peut-être bientôt. La justice est en train de faire. Parce que c'est pratiquement le seul secteur qui évolue et qui avance dans la RDC. Mais ils ont avancé à l'urnine. Pourquoi? Parce qu'il y a la pesanteur, il y a deux forces politiques. Pesanteur, on a deux forces politiques qui nous ont empêché, Marambo a évolué. Mais quelle devrait être la position du président Fachi? Premièrement, moi, on a parlé de l'ANR. Les services de sécurité. À quel niveau ils allaient? À quelle hauteur ils allaient? Quel budget on alloue à ça? Quelle manière tout le monde est? Est-ce qu'il y a des gens qui sont envoyés à l'étranger pour ne pas qu'il y ait autant à Yango?
L'Israël est prêt à aider le Congo dans la formation, il y a un service de sécurité. Sommes-nous prêts, nous-mêmes, à envoyer nos enfants là-bas? Est-ce qu'on a déjà envoyé des gens là-bas? On aurait bien, je voudrais bien le savoir. Je voudrais bien le savoir parce que, je le dis, le paradigme est ancien régime et coédé régime ôté. Et tous ceux qui le disent, ils ont constaté. Le paradigme est ancien régime et coédé régime ôté avancé n'a et l'autre côté. Entendez par régime, j'appelle administration. La nouvelle administration, ce qui est la logique, c'est que le avant est aussi imbatté. Mouto a le bateau. La ceinture, le gars Félix Tshisekedi. Azate, le président pour voyager, avion a eu le Tilelo. Je dis Tilelo. Avion est le bateau est le suite est imbatté. Il y a qui criminel? T. Il y a qui passager? Il y a qui belé? T. Technique, t'es boîte noire, t'es l'eau et banité. T'as avancé. Combien il y a eu de morts au niveau y a présidence? T'es l'eau, bazo konyo koufaka, bazo koufaka, bazo koufaka, bazo koufaka. Les raisons pour lesquelles les gens meurent, on ne sait pas. Mes frères, dans la maison du roi, on ne meurt pas aussi facilement que ça. Lorsqu'il y a des morts dans la maison du prince, ils ont signe. Ce qui est un signe métaphysique, c'est un signe physique. On peut vous attaquer à tout moment. Comment vous faites le lien? On destitue politiquement, on destitue Kabound, c'est une attaque directe à l'endroit du président de la République. Direct en tout cas. Et ce qu'on appelle, c'est une gifle directe. Violer la loi, ou bien violer la loi. Alors si vous n'êtes pas en cap, si vous n'avez pas la capacité de violer la loi pour vous faire sentir que vous allez bino bateau et que vous allez respecter bateau, vous allez violer la constitution, disons, c'est que vous allez bino bateau. Peut-être que je suis critique, très critique, mais c'est une critique qui s'est faite au sein de Manabolingo. Namour et Mbo Kanabiso. Parce que bino bateau continue à la tête, respecter Rami Beko, alors que vous allez respecter un côté, c'est la possibilité. Ceux qui ont le côté politique, Kabound est tombé. La majorité a pouvoir, il y a gouvernement. Ils ont un bon Kanabango. Bardonnant sa présidente, il est le ticket à jamais qu'on a appliqué. Et bien d'autres mesures, on va présenter Bazoua. Et Fim Bagaté. Bazoua, on va appliquer un côté. Politiquement, ça veut dire vous n'avez rien à nous dire. On n'a pas peur de vous. On va refuser à Kotia Tokoboya pour appliquer l'ordonnance Nayo. La ministre en question a rosa la dérangeté, on peut avoir simané à cause de la yango pété. Et puis, tu as l'ongo la kabound au cannabis nulle part, on a la capacité de l'ongo la moutoute. Et puis, le gouvernement, tu as tic à la dengue de l'ingi, tu as boy à cause de la mangambo de l'ingi, au cannabis de place de mon côté. En fait, c'est ça ce qu'ils veulent dire. Là, c'est sur le côté politique. Mais sur le côté sociologique, les gens de y a côté naïo sont littéralement éliminés. Avion un président, ma béti, batou un président, ma zokoufa. Citez-moi un président, excusez-moi de vous le dire, peut-être que je vais être un peu sadique. Covid, ouana, ezo, kaka, président, c'est RDC. Là où le Covid a frappé terriblement dans la France, dans le bureau, président, au coup, il faut le voir. Expliquez-moi un peu. En Italie, vous avez entendu le cabinet du président, là où le Covid est beaucoup plus fort. La Chine, vous avez entendu le cabinet du gouverneur, il y a Yuan, ce qui est Yuan, en Afrique du Sud, en Burkina Faso. Dans quel cabinet présidentiel dans le monde où vous avez appris que les membres du cabinet du président meurent comme des chiens dans la Covid? C'est un prétexte. Et quand j'entends quelqu'un dire non, et ma Covid dans la Covid, c'est mais ça attendait deux secondes. Soit ma Covid dans la Covid, soit vous ne respectez pas les gestes barrières alors. C'est que vous devez respecter un côté. Parce que comment vous qui êtes censé être qu'on a la peine à l'abri à Makambouana, vous tombez comme ça. Et les autres, alors que dirons-nous des autres? Non, la blague, elle a assez duré. Il faudrait maintenant que le président de la République tape sur la table. Monsieur le président, moi je vais changer mon discours. Je ne dirai plus que vous êtes mal entouré. Non, moi je vais commencer à dire vous vous êtes fait mal entouré. Parce que le choix des collaborateurs, c'est vous qui le faites. Ce n'est plus une question, le président est mal entouré. Non, il faut maintenant qu'on change de discours. Le président s'est fait mal entouré. Afin de ramener la responsabilité au président de la République. Parce qu'il n'est pas question de continuer dans la logique de toujours continuer. Le autre qui est il y a Yanani, comment on appelle ça, il y a Ilunga Kamba. Posons-nous la question. Le gouvernement Oeva Siko, ça a réglé quel problème? Non, je veux juste savoir. Le gouvernement Oeva Siko, il a réglé quel problème dans le mois où on va continuer à pouvoir?
Dans la mauvaise manière, comment s'appelle une patience absurde. Oh non, soyons patients, ça va venir. Ça, on ne refuse pas, on est patient. Mais patient ne veut pas dire croiser les bras. Patient veut dire travailler en attendant. On ne peut pas comprendre que Batoubou continue à pouvoir, vous n'êtes pas en train d'agir. Non, ce n'est pas le président qui construit les ponts, on est d'accord. Ce n'est pas le président qui fait ceci, qui fait cela, on est d'accord. Mais quand un président ne s'indigne pas, lorsque le travail n'est pas fait, on dit quoi en ce moment-là? Il est à endosser responsabilité. Et ça, quand on le dit, on ne dit pas pour manquer du respect au président de la République. Non, pas du tout. Ceux qui connaissent mon travail savent que je soutiens bec et ongle le président de la République dans ses actions. Mais je ne peux pas continuer à soutenir le président de la République quand il y a des choses qui se passent et qu'il ne dit rien. Et quand je dis qu'il ne dit rien, je ne parle pas d'un président qui dit, qui parle. Non, je parle d'un président qui agit. Aujourd'hui, cour constitutionnelle, ministre, procureur, a donc prêté serment. Mais est-ce qu'à prêter serment, il y a ingratitude? On voudra bien le savoir. Les prestations de serment, on en a eu par centaines. Malébel, d'abord, quand on a prêté serment. Ce que nous voulons, et dans les prestations de serment, cacaté, nous voulons une prestation, il y a changement, il y a manière de faire les choses. Il y a tellement de choses à faire dans la justice, Nabiso, que on perd beaucoup de temps dans les débats inutiles, mais il faut aller au fond, Nayango. Nadon le Balikambouya, premier ministre. Les lots vont investir. Pardon, Bani va destituer. Vous avez un son. Ote, Bani Balongolae, pour Kabila Lobiboué, Bani Balongolae, pour Okuna, FCC Balingye Souté. Le problème, c'est que Balingaye ou Balingayete, la question est celle là. Qu'est-ce que le Premier ministre a déjà fait avec son gouvernement qui soit profitable au peuple congolais? Nini. Nemoutouna. Si vous avez un peu de temps, bongo. Oh, Bassali n'a même pas une année. Pourquoi on est. Non, on n'a pas besoin de faire une année pour changer beaucoup de choses. Non. En 2, 3, 4 mois, on peut prendre des. On peut donner un élan. Signeur Malonga, Signeur Ngozate. Monsieur le Président, cette alliance va vous embrouiller. Cette alliance ne va pas vous aider. Ce qu'il y a à faire maintenant, c'est de clarifier les choses. De redéfinir votre alliance. Anticipez parce que vous risquez d'être surpris. Anticipez. Tant que Balongoli, M. Kabou, nous a signalé mon bâtiment de Léopold Baïb Sao que nous pouvons aussi engager une poursuite contre vous et donc destituer. Ça peut dire ça aussi. Vous avez vu la vitesse avec laquelle on a voté contre Kabou. Monsieur le Président, vous ne serez pas épargné si c'est eux qui prennent la mesure avant vous. Si c'est eux qui prennent la mesure avant vous. Je vais vous dire un élément, peut-être ça va choquer les gens. Et si l'Amérique est en train de préparer un autre candidat? Et si l'Amérique était en train de préparer un autre candidat? Et si l'Occident était en train de préparer un autre candidat? Ça veut dire, ça dit lecture, bon, comme vous n'agissez pas, on va trouver un autre Mobutu. Hein. On peut trouver un autre Mobutu. On peut trouver un autre Dadis Camara. On peut trouver un autre Kadhafi. L'histoire se répète si vous ne lisez pas l'histoire. Lorsque, au moment où l'Amérique, les États-Unis et tout le reste, disons les Occidentaux, se rendent compte que vous n'avancez pas bien la direction de la Bango, ils peuvent dire, bon, on va créer quelqu'un d'autre. Et puis, pas vous n'êtes de la Mouki dans ton Oboué, un général a du pouvoir, un colonel a du pouvoir, un lieutenant a du pouvoir. Aujourd'hui, je crois que le président Fatshi a toutes les cartes devant lui pour gagner ce mandat. Et moi, je suis prêt à aider le président à aller jusqu'au bout. Seulement, nous demandons au président de la République d'arrêter de croire à la bonne foi Yabato Bazar en face de lui. Ce ne sont pas des gens de cœur. Bazar a bonne foi. Ils vont l'entraîner dans le trou. C'est la politique qui a laissé pourrir. Pourrir Boéti Nasuka. Aujourd'hui, au moment où nous vous parlons, qu'est-ce qui empêcherait d'avoir une politique et anticipation? Ça veut dire, on fait une lecture totalique, que, ok, ce qui est au Kati, ce qui le président Lelo a nommé un formateur, l'important c'est d'avoir aux Alanines. Tout ce que le Bango déjà. L'important c'est qu'on nomme un formateur et Zaboué. Et moi je propose le président de la République au Tchepoua Nayo Nyonso pour que justice a clarifié Makambouya Bati Lukwebo. Ce qui justice a clarifié Makambouya Bati Lukwebo. Bazong ici, M. Bati Lukwebo, na droit naïe. Parce que nous avons une faveur. Et d'accord, justice à l'oba. Lorsque la justice va se lever et qu'elle va décider que M. Bati Lukwebo est remis dans le droit naïe. Ce que vous ne savez pas, M. le Président, vous allez gagner deux fois. Vous gagnez en termes de la popularité de M. Bati na Est. Vous gagnez en termes de la popularité naïe na Est. Et vous gagnez en termes de la popularité de l'Assemblée nationale. Dans le Sénat. Dans le gouvernement.
Parce que les choses vont se redéfinir. Aucun parti au Congo n'a la majorité parlementaire. Aucun. Personne n'a pu avoir 250 députés plus un. Personne. Et de ce fait, il faut renégocier les choses, requalifier les choses. Je suis très convaincu que les gens de la Mouka sont beaucoup plus proches, idéologiquement. Bon, là, c'est vraiment à mettre entre guillemets. Je prends des analyses. Parce qu'à un moment donné, je suis convaincu que la Mouka et le FCC font presque la même chose. Un moment, hein, je suis tenté de le dire, mais je ne l'affirme pas. Mais on va dire, on va... Donnez-moi une petite... faites-moi une faveur de comprendre ce que je suis en train de dire. Hein. Ne me prenez pas d'un côté, Moussous. Je dis que, supposons, dans l'absurde que la Mouka est proche de Félix Tshisekedi que de Kabila. En tout cas, j'ai dit, donnez-moi une faveur, parce que je ne suis pas convaincu dans l'assertion. Mais parlons comme ça. Et refaire la Nenginine, qu'est-ce qui peut se passer? Ça peut se passer que M. Bahati Lukwebo, avec tous les députés qu'il a, sénateur Azanango, à côté des versets, proche à Fatshi. Donc, il va intégrer le cash. Or, si lui, il intègre le cash, et que les relations avec l'UNC sont maintenues, d'abord fixé Nango, avec l'UNC, avec M. Bahati Lukwebo, M. Katumbi, déjà, ensemble, Bazana va députer. Littéralement ébélé, parce que le MLC, je ne crois pas beaucoup. Bazana ba député ébélé. Supposons que Batonio soit ennemi qu'on se rallie na côté à Fatshi, on redéfinit la majorité parlementaire. Et en ce moment-là, on force le FCC à aller dans l'opposition. Sachant une chose, ce qui est FCC, qui est dans l'opposition, va retenir parce qu'ils ont Mbisi, Babimi Libanda, va retenir parce que l'oxygène n'a pas le pouvoir. Eux, ils ont l'ADN du pouvoir. Ils ne sauront pas vivre. L'opposition. Or, ce qui m'a aidé à Nabino Nyoso, vous tiens ensemble pour que vous poussez Bango dans l'opposition, ils vont se filtrer Bango Moko, malembe, Bango, perdre Bato Bango parce qu'ils ne sauront pas vivre là-bas. Ils vont revenir de l'autre côté. En ce moment-là, le côté politique, vous accélérez là-bas. Le côté judiciaire, vous laissez à la justice la possibilité maintenant d'agir convenablement au terme des articles 9 de la Constitution pour le ministre Nyoso, qui est un audit sur Bango, qui est un audit sur Bango, il y aura finalement une grande kermesse. Dans une nouvelle ère, pourquoi c'est difficile d'aller sur ce terrain-là, alors que c'est terriblement pratique. Les gens disent non, mais vous savez, Bahati Lukwebo, qui ne nous dit pas que Bahati Lukwebo a envoyé il y a FCC. Attendez deux secondes. Alors, comment vous allez vous faire alliance avec celui, avec le diable lui-même? Exemple. Hein. Comment allez-vous faire alliance avec, bon, si vous voulez que les diables vous énervent, tout ça, comment voulez-vous faire alliance avec Dieu, directement sans gêne, mais vous commencez à douter de ceux qui sont, entre guillemets, seraient envoyés par Dieu? Ça n'a aucun sens, n'est-ce pas? Je préfère encore celui qui dit clairement qu'il n'est pas avec l'autre et qu'il y a quelqu'un qui fait semblant d'être avec l'autre. Ce qui M. Bahati Lukwebo qui a envoyé à M. Kabila, a perdre la place dans le gouvernement, a perdre des partis politiques. C'est simplement comme ça qu'on avait dit aussi pour Katumbi. Katumbi a envoyé. Avec le temps, on a vu que Katumbi n'était pas envoyé. Moi, je crois qu'ici, il faut risquer. Je préfère encore une alliance. Félix Tshisekedi, Bahati Lukwebo, Katumbi. Et puis, vous avez l'UNC. Hein? Et puis, si vous avez ça, bon, avec Bemba, on ne sait pas s'il est avec le FCC ou avec, avec les autres. Bon, on peut aussi aller avec eux. Ce qui va se faire que vous aurez quand même assez de nombre. Même à Tassou qui Borozoa 400 députés. Mais Borozoa 250 députés plus 1. Ce qui fait que Bolongo, lui, nous, hypothèse, il y a, tiens, président en accusation. Hypothèse, on a élongué parce que vous avez le pouvoir, on a déjà nios. Deuxième élément, vous travaillez au niveau de la justice parce que c'est le président qui doit démanteler Conseil supérieur et magistrature. Monsieur le président, vous réussissez le mandat au thé, ce qui Conseil supérieur et magistrature, vous avez renouvelé le thé. Cette justice, ce qu'elle est en train de faire, et vous avez tout que c'est comme un chien qui est enfermé, mais qui crie quand même, qui aboie. Des justices, Nabisso. C'est un chien qui est enfermé, mais qui aboie, qui terrorise quand même les voleurs. Alors, imaginez maintenant, ce que vous avez signé aux années. Or, pour le Rolongola, il faut conseil supérieur et magistrature. C'est mon point de vue, c'est mon opinion. Va changer conseil supérieur et magistrature, va remplacer le magistrat, le juge, il y a bien, dans le niveau conseil la technique et dans l'idée d'organiser les choses. Et moi, je vous donne 2 mois. Toujours, le jour où Fatshi va se réveiller, il s'est fait bien entourer. Je dis bien, retenez le jour d'aujourd'hui. Si Fatshi se réveille aujourd'hui, il prend des bonnes décisions,
ils s'entourent convenablement bien. Ils jouent un bon jeu politique. Deux mois, de deux à six mois, et là, ils belé. Au moment du Kambo, Kabou Ndaloba qui a nage, il n'a pas peut-être menti. Il a peut-être dit ça dans un terme facile. Mais je peux vous garantir, il y a possibilité que tu connaître exil et belé. Bah, quand exilé et belé, que le caca est un Mobutu. Ce qui est le cas, c'est que le tomboli caca justice et Fatia a joué contre la politique. Mais maintenant, nous demandons à Fatia d'anticiper. Monsieur le Président, ce peuple congolais n'a rien à voir contre vous. Il n'est pas contre vous. Le peuple congolais a va contre Yoté. Le peuple congolais est contre l'alliance que vous avez faite avec monsieur l'ancienne administration. Le peuple veut voir la fin de ce système d'oppression, de ce système d'ambiguïté, de ce système de distraction. Le peuple est en train de regretter les 15 mois perdus. Il y a eu de bonnes choses, mais à cause de vos alliances et ébanité, Balobé Liangote. Alliance Yalibosona, Yuento Salaki, Desidalaki, Mabé. Vous aurez pu arrêter Alliance Tabino, Naterme, ministère, mais pas à niveau présidence. Le fait d'avoir amené les gens dans la présidence, vous avez perdu beaucoup de choses. Et aujourd'hui, vous êtes le seul à perdre, et politiquement, et sociologiquement, et en termes de famille, et en termes de crédit. Il est temps de refaire toutes ces choses. Vous avez encore 3 ans devant vous, excepté l'année électorale. Vous avez encore 3 ans devant vous. Le Covid ne vous a pas aidé, mais le Covid peut être une véritable opportunité pour Nabino et qu'on s'en sortir. C'est très important. Nous voulons un message clair à la justice. Clair à la justice. Afin que le juge va faire la moussa convenablement. Mais le juge, on a besoin de bangapé. Ils sont des hommes. Ils sont suicidaires. Ils se disent, si on agit, qui va nous protéger? Monsieur le Président, moi, ma question, la question que je vous pose aujourd'hui, et je m'arrête là. Êtes-vous en mesure de protéger les juges? Êtes-vous en mesure de protéger le magistrat? Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Tuez-nous aux hommes, s'ils ont pris droit, Daïmada, Chino, Tuenéné, Nakimia, Panapiko. Loye Mali, loye Bolo, nene la lisa.